Mexico avec l'étagère. Coucou. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Bonjour les petits copains du Larzac. Nous sommes partis. Tu t'es pris pour Cyril Lignac. Pour Rebondi. Alors, je suis attends, Cyril Lignac. Du coup, je me souviens plus. Alors, le panneau, il est là-bas, mais je me souviens plus où je dois aller maintenant. T'avais fait le... T'étais allé au 4 C'est le 3 attends, qu'il faut qu'on fasse. C'est le 3 D'accord. Je crois que c'était juste derrière moi, en fait, tout oui, bêtement. Il me semble qu'on l'avait déjà fait, surtout. Le 3 Attends, vas-y, retourne-y. Retourne-y. Je crois qu'on l'a pas fait, on s'est arrêté au 3. Hein. Je sais pas. Oh là là, si seulement on regardait nos épisodes. Il n'y a pas longtemps, tu vois, bah c'était même tout à l'heure, parce que je continue ça. Je me demande s'il y a des gens qui ont écrit des fanfictions entre des personnages de fiction célèbres et Maître Gims. C'est vraiment très important pour moi, ce genre de savoir, tu comprends? Oui. Et je suis au regret d'annoncer à nos spectateurs, à notre communauté, qu'il n'existe pas de fanfiction entre pas encore et Maître Gims. Pas encore. Je fais donc un appel. Écrivez. Écrivez. Soyez créatifs. Écrivez une fanfiction entre Maître Gims et Bendy. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ce serait très intéressant. Vous pouvez être méta, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez faire que c'est Maître Gims qui tient une chaîne de let's play sur Bendy. Et puis, Bendy devient vrai. Bendy devient vrai ou... et apparaît à chaque fois derrière lui, mais il le voit dans le retour caméra, mais il ne le voit pas derrière lui. C'est ça. Ou, attends, ou tu prends un troupe nul à chier. T'as Bendy, il est... Non, t'as Bendy. T'as Maître Gims, il est sur une brocante, il achète une cartouche de Bendy hanté. Une cartouche Switch. Une cartouche Switch de Bendy hanté. Attends, parce qu'il se passe des trucs, en fait. Il a des apparitions de Satan. Bonjour, Andrew Ryan. Ah, pardon, excusez-moi. Ça, je me suis trompé. Excusez-moi, souvent je confonds. Alors oui, j'imagine que c'est un genre de boss. Oui, mais j'ai pas d'armes. Oui, mais c'est comme la dernière fois, c'est une épreuve d'intelligence. Mais je suis con. Oui, mais ça je le vois, Florian, ça je le vois. Allez, bah, j'allais dire passe, mais non, ça aurait été... C'est un peu dangereux, monsieur. Ça aurait été en effet un petit peu dangereux. Mais foutez-moi la paix. Je dois aller où? Mais je suis perdu! Mais je suis perdu! Oh, Harpagang! Y'a pas un interrupteur? Je ne sais pas, Florian, je ne sais pas! François, si je me casse. On est bon, non? Non, mais la porte, elle s'est fermée quand t'as activé le truc. Attends, le truc, le câble électrique, il mène vers où? Ah oui, pas con! Harpagon. Ici. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Non mais je demande, hein, je demande. Moi, depuis tout à l'heure, on suit des câbles électriques. On peut pas juste débrancher ce truc. Moi, je sais pas, écoute. L'électricité, c'est surfait, tu sais. Attends, il y a des trucs. Ah, il y a des choses là-bas. Là, au pied du... Ça brillait. Il y a quelque chose à activer. Aïe. Parce que quand il y en a un qui est à terre, genre à mon avis, tu peux aller l'activer. Hein, et lui faire du mal. Et lui faire du mal. Et faire la fête à Donf. Ah, là-bas, là. Oui, mais il y, ah oui, y en a aussi. Aussi. Ah merde, putain. Bon d'accord, on a compris, c'est déjà ça. Oui, alors... Merci beaucoup, étagège. Non, pas de soucis, pas de soucis. Moi, tu sais, tout ce qui est vaguement survival horror, mais surtout un petit peu médiocre. Moi, je veux bien, mais... Alors, oui. Ça ne fonctionne pas. Ah. C'est en surbrillance, mais je peux pas faire grand-chose. D'accord, d'accord. Tu faisais du manège quand t'étais petit? Manège à bijoux, tourner manège, oui. Quand j'avais 9 ans, je faisais tourner manège. Je vais pas tirer dessus non, ça marche pas. T'as pas une arme? T'as pas un truc bah, comme ça? J'aimerais beaucoup avoir une arme à feu, mais on n'est pas aux États-Unis malheureusement. Mince. Mince. Oh là là, il doit bien y avoir un truc. Oui, bah j'imagine bien. Ah, j'ai ouvert une porte, super. Non, moi je m'en fous, je vais regarder. Je vais regarder comment font les gens, parce que moi j'en ai plein le cul de Bendy là. Ça suffit, hein.
Je trouve que t'es pas assez dans la narration de Bendy. Il est vrai. Il est vrai. T'es pas assez Closed World. Closed World. Closed. Comme les boîtes. Ah ouais, le jeu sur PC est quand même beaucoup plus beau, hein. Mais non. Mais pas du tout. Et le mec, il a une hache pour quand il est ici. Hein. Mais moi, j'ai pas de hache, en fait. Attends, je regarde. Est-ce qu'il est arrivé avec sa hache? Est-ce qu'il a trouvé sa hache? Ah, attends. Alors là, oui, il y a la cinématique d'Andrew Ryan. Sacré Andrew. Alors là, il n'avait pas de hache à ce stade de... Elle est là! Bonjour, madame la hache. C'est bon, je peux vous niquer. En tout bien, tout honneur. Avec amour, sur la joue. Ah oui, il fait niquer, d'accord, mais avec amour. Alors. Ah, c'était encore de l'encre méchante, dis donc. Sacrée encre méchante. C'était l'encre méchante. C'était elle depuis le début. L'encre vilaine. C'est l'encre... Celle qui donnait de l'énergie aux gens. L'encre vilaine. Ah, mais alors... Souvent, les gens disent qu'on n'est pas dans l'ambiance du jeu. Ah bon? Mince! Bah dis donc, on fait des efforts pourtant. Ça s'entend, non? Mais ça, en fait, c'est une machine à torsader les serviettes. Oui, bah... On va pas me la faire à moi. C'est pas des serviettes qui... Enfin, c'est pas des manèges, hein. C'est des serviettes. C'est des... Oui, non, on est d'accord. Est-ce que ça casse ici? Oui, ça casse. Ouais, mais c'était pas... Mais, Bibou, on casse ses affaires? Mais bon, tu te calmes là. Oh mon dieu, mais c'est erratique. C'est insupportable. C'est un manège. C'est Eragon. C'est qui l'acteur qui jouait Bronn dans Eragon? Je ne me souviens plus. Non, tu peux pas. Bon, ça suffit là, Bébou. Arrête de faire le con. Quel incroyable boss. Putain, c'est le premier boss qu'on se tape. Non. Non. C'était qui le premier? Le premier boss, c'était le truc où fallait appuyer sur, fallait le faire faire le tour et appuyer sur le comment ça s'appelle, le de l'interrupteur au bon moment. Bébé bou. Ouais. Ah bah il est pas content. Attends, faut faire ça 12 fois. Enfin 12 fois, faut tuer tous les. J'ai bien l'impression. Après il sera prisonnier à vie. Sacré Andrew Ryan, hein, quand la machine bat l'homme. Monsieur Riant! Mais pas du tout. Je ris pas, moi. Mais Andrew, là, qu'est-ce que tu fous? Tu fais chier, Andrew. Tu fais chier, Andrew. C'est dans un monde parallèle où Andrew Ryan aurait voulu devenir un manège. C'est une fanfiction extrêmement spécifique, hein. J'ai écrit Rapture, mais c'était parce que je voulais devenir un manège, ok? Un putain de manège! C'est mon utopie. Ici, tout le monde peut devenir ce qu'il veut. J'ai choisi ma vie. Je me suis toujours senti manège au fond de moi. L'esclave obéit, l'homme choisit. Je suis devenu le manège. Bon bébou! Bébou. Bébé, oh, mais t'as cassé ton truc, bébou, qu'est-ce que tu fais? L'esclave obéit, l'homme choisit. Pourquoi... Je suis devenu la Beyblade. Pourquoi devenir une toupie quand quelque part t'as une hache et ça suffit? Parce qu'on aurait eu un mec avec une hache, je suis sûr qu'on aurait fait moins les malins. Bah ouais. Un mec avec une hache qui te traque, tu sais, dans un survival horror, c'est bien comme boss aussi. Hein. Vous êtes pas obligé de faire des trucs méga novateurs, hein. Des fois c'est bien les trucs qui marchent aussi. Il marche pas là, c'est un manège. Exactement. Bon, t'arrêtes de faire le con là, moi j'aimerais bien passer de l'autre côté. Non, 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 t'étais pas bien placé. T'as pas fait ton bisou sur la joue. Allez, hop, 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 bébou. Allez, bébou là, meurs. Bébou, wow. On se sent pas bien. Là, je suis pas bien. Eh ben, l'encre méchante, elle est rentrée, Tu vas vomir de l'encre vilaine. Tu vas vomir de l'encre vilaine. C'est bon? Visiblement. Eh bien Andrew Ryan, on n'est pas bien? Sacré Andrew. Allez, c'est parti.
Oui, mais c'est bien, on est content, mais il est où l'interrupteur? Oui. Alors, oui. Ah, par contre, j'ai plus ma hache, hein. L'interrupteur, il est pas sur le manège? J'ai genre cassé mon... Ah ouais, peut-être. Moi, j'aurais mis là. Oui. Bah non. Visiblement, t'es pas game designer. Ta mince, je ne suis pas open world. Alors déjà, c'est par où qu'on est arrivé, c'est par où... Ça doit être là-bas, je pense. J'imagine que c'est... Là où ça tremblote. Ah bah oui, bah... Tu sais, les stimuli visuels pour indiquer des trucs en les faisant clignoter, ça marche toujours bien, hein. Cela fait 3. Le dernier, et c'est bon. Pourquoi j'ai plus ma hache, moi? Le petit dernier, et on s'en va. Et ma hache. Regardez cette lumière. Suivez la lumière. Oui. Putain, c'est vrai qu'il a l'air plus beau sur PC quand même. C'est terrible. On va pas se mentir, il a l'air vachement plus beau sur PC. C'est terrible. Et surtout, on aurait pu le laisser en anglais. Ainsi, nous n'aurions peut-être pas vu tous ces défauts d'adaptation. Des défauts ou ça? Moi, j'en vois pas. Alors, c'est pas ici. Qui est médisant? Moi, je suis médisant? C'est toi qui dis qu'il y a des défauts. Clac. C'est lui. Non, c'est le 3. 4. Tac, ici. Mais pourquoi il y en a un? Parce que c'est un autre encore. Il y en a un cinquième. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. C'est pas là. Mais non, là, on a déjà été. Ça, c'était le 3, ça. Ça, c'est le 4. Non. Non, c'est le 3, ça. Donc, c'était là-bas? Non, maintenant? Non, c'est là. Non. Ah! Ici? Ici, on a déjà été. Regarde, il y a des pénis dessinés. Mais non, il y a quelqu'un qui a écrit chaud, chaud, cacao. Chaud. Cacao. Cacao. Chaud, 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 chocolat. Je me souviens plus des restes des paroles. Ah. Buddy Boris. Ah, on n'est pas allé ici. Hein. Ouais, mais ici, il y a de l'encre méchante. Encore. Veuillez voir le projectionniste. Vous commencez à me péter les couilles, monsieur le projectionniste. Attendez, attendez, je vais chier. Voilà. La bise sur les fesses. J'ai écrit Zob sur le high score. La partie est terminée. Regarde le marché, on dirait un psycho. Tous les joueurs s'en sont allés. Donc il faut qu'on active le truc. Il faut faire gaffe parce que le projectionniste veut te botter les fesses avec sa serviette torsadée. Son énorme pénis. Quoi? Quoi? Tu fais ce que tu veux avec tes amis, y a pas de soucis. Je te juge pas. Allez là! Non, tu lui laisses le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps. Ah. Oh. Ah bah c'était plus simple que ce que je pensais. Oui, je pense qu'il y en a plusieurs. J'imagine. Bon, hé hey. Mais c'est pour appeler ce débile. Monsieur, venez me voir. Au pire, il me tape et puis c'est bon, rien à foutre. Ah, mais attends, mais il va y avoir une énigme encore. En fait, faut lui détourner l'attention pour monter de l'autre côté. Bon, là, il va venir te claquer le cul parce que je vois que ça clignote derrière. Mais regarde, là, ça ressuscite ici. C'est bon. On va pouvoir mourir au pire, tranquille. Ah oui, d'accord. C'est bien. Coucou, monsieur qui claque des fesses. Il y a peut-être des toilettes dans le coin. Le coup de l'ennemi. Mais par contre, le coup de l'ennemi invincible que tu lui fais courir derrière toi. Ah, ça fait toujours son petit effet. Ciao, Pantin. Donc il fallait que l'interrupteur soit du bas soit actif, comme ça tu peux couper le truc. Ah, non, c'était bien ça. C'était vraiment pas mal. Mais il est mort? Bah je crois. J'ai tué le projectionniste. Super. Alors s'il est... Non, il peut pas être mort. Il y avait un truc en haut. À droite, à gauche. Continue, et à gauche encore. Ah oui. C'est juste un renfoncement ou... Ah non, c'est de la merde. C'est des sacs de sable. C'est pour faire de la farine? Oui, bien sûr. Avec du sable. Mais je crois que j'ai activé là, du coup, non? Ben, je crois, oui. Puis il n'y a pas l'air d'avoir de projectionniste. Donc non, je pense juste que le truc, c'était ça. Fallait courir. Ouais, fallait courir. Oh, ça va. Attends, tu veux voir la tristesse? Regarde en haut.
C'est quand même un tout petit peu triste de se dire tout ce qu'on s'aime. Et les fins d'épisode. Bisous tout mou. Au revoir.